Salut à tous, on se retrouve pour la dernière vidéo du calendrier de l'Avent, la 12e vidéo. Avant de commencer, je voulais juste vous dire merci beaucoup d'avoir suivi toutes ces vidéos tout au long du mois de décembre. Vous avez été super nombreux à être là vraiment à chaque vidéo, à laisser des commentaires à chaque vidéo. Je sais que je vous ai fait découvrir du coup pas mal de films, vous avez été nombreux à me dire que tel ou tel film vous tentait et à revenir quelques jours après pour me dire que vous les aviez vus. Donc sincèrement, merci beaucoup, c'est super cool, c'est un format que j'avais envie de faire depuis très longtemps mais que je n'osais pas faire sur la chaîne. Je suis contente de m'être lancée et d'avoir eu voilà d'aussi bons retours. Sincèrement, c'était super, je verrai si l'année prochaine je le referai ou pas. Vous avez été plusieurs à me dire que vous aimeriez bien le revoir avec 24 vidéos la prochaine fois. Donc sincèrement, ça dépendra vraiment de mon organisation parce que vous savez que ce n'est pas mon point fort dans la vie. Je pioche donc le dernier film du sac et c'est 'Thirst', qui est donc un film coréen du même réalisateur que Old Boy, si je dis pas de bêtises. C'est un film dont j'ai beaucoup entendu parler mais que j'ai jamais vu. C'est cool en plus parce que je parle très rarement de films asiatiques sur la chaîne, donc au moins ça sera l'occasion de le faire. Donc on nous dit « L'amour est éternel. À la suite d'une transfusion sanguine d'origine inconnue, un jeune prêtre devient vampire. Peu après sa transformation, il retrouve un ami d'enfance qui vit avec sa mère et son épouse. Il succombe alors à la violente attirance qu'il éprouve pour la jeune femme. Après le Dracula de Coppola, Thirst remet sur le devant de la scène le grand film de vampire, noir et passionnel. Des images magnifiques, une mise en scène flamboyante et une bande originale sublime donnent à cette histoire d'amour impossible une dimension unique. » Vampirisme, religion, sexe, crime et romantisme, Thirst vous emporte dans un tourbillon d'émotions. Et c'est un film qui date de 2009. Bah écoutez, let's go. On se retrouve donc pour la revue du film Thirst, qui est un film que j'ai plutôt apprécié dans l'ensemble. C'est une histoire de vampire, j'aime beaucoup les histoires de vampires, donc voilà. J'en ai jamais vu, je pense, de film de vampires asiatiques. En tout cas, il n'y en a aucun qui me vienne en tête comme ça. J'ai beaucoup aimé la dualité en fait qui revient tout au long du film. Donc on suit ce jeune prêtre qui est vraiment très investi pour sa communauté, qui part en Afrique faire don de lui-même d'une certaine façon, parce qu'il va en Afrique pour tester un vaccin expérimental pour traiter une maladie. Ils ne savent pas du tout quels vont être les effets secondaires ni quoi que ce soit. Et il réagit mal donc à ce vaccin. Il va mourir. On va lui faire une transfusion sanguine et grâce à ça, il va ressusciter, sauf qu'il va ressusciter en tant que vampire. Donc, quand il va revenir chez lui, en fait, les gens vont le prendre vraiment déjà pour un martyr du fait de s'être sacrifié pour tester ce vaccin et pour une sorte de saint du fait qu'il est ressuscité. Les gens vont vraiment l'approcher en quête de miracle. Il va donc retrouver un ancien ami à lui d'enfance qui est malade. Il va faire la rencontre de sa femme. Ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. L'histoire classique de vampire, voilà, qui tombe amoureux d'une humaine, etc. J'ai beaucoup aimé parce que du coup, comme le personnage principal est prêtre et qu'il se retrouve à être vampire, il va vraiment avoir beaucoup de questionnements qui vont faire face à sa situation en fait. Parce qu'on comprend dès le début que c'est quelqu'un qui est vraiment généreux, qui est vraiment dans la bonté, qui est vraiment altruiste, qui est vraiment pour donner de sa personne pour les autres. Et là, finalement, il va devoir prendre aux autres pour pouvoir se nourrir et pour pouvoir survivre. Et j'ai beaucoup aimé aussi le traitement de l'image du vampire, dans le sens où on a le vampire qui veut rester humain d'une certaine façon, mais on a également le vampire qui accepte sa condition de créature, de monstre, d'animal un petit peu sanguinaire. Ça m'a beaucoup fait penser au personnage d'Entretien avec un vampire, en fait, la relation qu'il y a entre Louis et Lestat, un qui voilà qui veut rester bon malgré tout, qui veut tuer le moins possible d'innocents, et l'autre qui accepte complètement cette condition bestiale en fait, qui fait qu'il a besoin de tuer pour survivre et qu'il sert ses propres intérêts avant ceux des autres. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Je trouve que le thème du vampire en plus voilà c'est quelque chose qui s'y prête énormément. C'est une histoire d'amour. Alors je n'irai pas dire que c'est une belle histoire d'amour, par contre. Je trouvais la relation quand même qui était assez violente, assez glauque. J'ai pas été super fan de la relation qui est mise en place. Même pour ce qui est des scènes amoureuses entre les personnages, je les ai pas trouvées
exceptionnelle ou vraiment très belle. J'ai trouvé le film un petit peu long. Franchement, il fait 2h08. J'ai eu l'impression qu'il durait 2h30. Je l'ai trouvé beaucoup trop long. Je trouve qu'on se perd dans trop de détails qui apportent pas forcément grand-chose à l'intrigue ou au personnage. C'est dommage parce que le début est très bon. La fin est très bonne aussi. Mais il y a un petit ventre mou au milieu du film. Et je trouvais que c'était dommage parce que ça perdait un peu en intensité. Il y a quelques touches d'humour que personnellement j'ai pas trop saisi. Alors je sais pas si c'est propre au film coréen dont je ne suis pas une grande habituée, mais c'est vrai qu'en fait il y a des moments où il y avait des touches d'humour et je comprenais pas ce qu'elles faisaient là en fait. Pour moi elles avaient rien à faire dans telle ou telle scène en particulier. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où je suis restée un petit peu hermétique en fait à ce qui se passait dans le film. Mais ceci dit, voilà, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé les acteurs, j'ai bien aimé l'ambiance. On se retrouve dans un milieu qui est assez normal, assez modeste. Donc ça change voilà, des vampires qui vivent dans des immenses maisons magnifiques, comme on a l'habitude de les voir. Je trouvais que c'était pas mal. Et après, à titre tout à fait personnel, mais c'est vraiment, vraiment personnel, hein. Ce film a mis ma misophonie à très rude épreuve. Je déteste les bruits de gens. Voilà, les bruits de personnes. Et là, tout au long du film, je n'ai jamais entendu des gens qui faisaient autant de bruit en parlant, en mangeant. Du coup, le vampire qui suce le sang, qui fait des bruits absolument dégueulasses. Quand les gens s'embrassent, quoi. Sincèrement, c'était horrible. Moi, c'est le genre de détail qui me hérisse le poil. J'ai passé tout le film à avoir limite des holkers tellement les bruits étaient présents. Alors sincèrement, si vous êtes comme moi, si vous êtes misophone, vous allez franchement souffrir. Pour moi, c'était le plus douloureux dans le film. C'était vraiment les bruitages des gens. C'était juste horrible. Donc j'ai passé un bon moment en le regardant. Je vous conseille de le regarder si vous ne l'avez pas vu. Après, ça m'étonnerait parce que j'ai l'impression d'être une des rares personnes à ne pas l'avoir vu jusqu'à présent. C'est un film qui est hyper connu, qui a gagné même un prix à Cannes, si je dis pas de bêtises. Donc je pense que la majorité d'entre vous l'auront déjà vu, mais au cas où, je vous conseille de le regarder. Avant de conclure cette vidéo, je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Je pense que ce sera la dernière vidéo de la chaîne pour 2020. Donc on ne se reverra qu'en 2021 en espérant que 2021 soit bien meilleur que 2020 qui était une année franchement pourrie. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire 2020. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, restez prudents malgré tout, mais amusez-vous quand même, entourez-vous des gens que vous aimez, c'est vraiment le principal. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, et puis vous connaissez la chanson, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire, de cliquer sur la cloche, d'activer les notifications. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la barre de description, et je vous dis à l'année prochaine pour une prochaine vidéo. Salut !